Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition du journal. À l'entame de ce journal, sachez que le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience à une délégation conduite par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Tchad, Maître Athanase Mbaye Gagnon. Au menu de l'audience, le 34e congrès du CIB. Reportage d'Abaya Omar Soni. À 24 heures de l'ouverture du 34e congrès de la Conférence internationale des barreaux, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Tchad, Maître Athanase Mbaye Gagnon, à la tête d'une importante délégation. Cet événement, qui se tiendra du 4 au 6 décembre à N'Djamena, a fait l'objet de cet entretien riche en échanges. Le président de la Conférence internationale des barreaux, Maître Elie El-Kaïm, et le bâtonnier du barreau tchadien, Maître Athanase Mbaye Gagnon, ont déroulé au président de la République Idriss Déby Itno les enjeux de cette rencontre. Deux points forts à retenir, la justice et la sécurité. Cette conférence s'articule autour d'un thème d'actualité. Nous sommes venus présenter l'enjeu de cette conférence pour le président de la République qui a bien voulu rehausser sa présence cette conférence. Qui se tient pour la première fois chez nous au Tchad. Au-delà du barreau, nous voulons à travers ce congrès donner une certaine visibilité au pays qui est un état de droit qui se construit au jour le jour. C'est pour cette raison que vous avez vu autour de nous pas mal de confrères venus de différents barreaux. Des délégations sont encore attendues. Le barreau du Tchad, régi par la loi numéro 033/PR du 5 novembre 1996, compte à ce jour 246 avocats, dont 32 femmes. Il vous souviendra qu'hier, le chef de l'État Idriss Déby Itno a présidé la grande prière organisée par la plateforme interconfessionnelle du Tchad. Dans son allocution, le président de la République a mis l'accent sur la paix et la cohabitation pacifique entre les Tchadiens. Suivez. Il y a déjà 10 ans, cette journée nationale de prière interconfessionnelle pour la paix, la cohabitation pacifique et la concorde nationale est devenue un incontournable exercice à la fois spirituel et républicain pour la vie de notre chère patrie. Outre sa forte symbolique, cette journée s'est en effet transformée en un rendez-vous national annuel qui unit les Tchadiens, au-delà de leurs croyances religieuses, leurs convictions politiques respectives. Je voudrais d'emblée, au nom de toute la nation tchadienne, adresser mes chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements aux leaders religieux des trois confessions religieuses pour leur dévouement et leur action hautement patriotique au service de l'unité de notre peuple. Il ne fait aucun doute que ces leaders religieux jouent un rôle prépondérant dans la grâce qui enveloppe actuellement notre pays au milieu d'un environnement sous-régional en ébullition. Si le Tchad compte aujourd'hui parmi les nations qui respirent la paix et la stabilité, une grande partie du mérite revient et vous incombe. Mes chers frères, hommes de Dieu. Au Tchad, musulmans, catholiques et protestants crient ensemble pour la paix. Cette entente interreligieuse vieille de 10 ans est une référence en Afrique. Le sujet a inspiré notre reporter Amatia Yabas.
La paix, l'unité et la concorde nationale sont des valeurs cardinales qui unissent le cœur. Ce sont aussi les fondements d'une nation qui aspire à son plein épanouissement. Aujourd'hui, nous vivons cette réalité, quelles que soient nos appartenances politiques, ethniques ou confessionnelles. La prière interconfessionnelle, instaurée par les plus hautes autorités du pays, illustre parfaitement, en un point douté, l'union sacrée scellée par les différentes communautés religieuses tchadiennes. Musulmans et chrétiens se concertent régulièrement et prient ensemble, encouragés par le gouvernement, pour invoquer le Tout-Puissant afin que la paix, la concorde et la cohésion nationale puissent perdurer. Cette parfaite entente entre musulmans, catholiques et protestants mérite d'être saluée et encouragée. Pour mémoire, c'est depuis 10 ans que les chrétiens catholiques et protestants et les fidèles musulmans du pays du Toumaï, réunis sous la bannière de la plateforme interconfessionnelle, organisent une prière pour la paix au Tchad. Nous ne disons pas cela pour nous glorifier, mais cette entente est rare, voire impossible, sous d'autres cieux. L'exemple tchadien constitue un modèle, une référence sur le continent africain. Cette messe religieuse, quoi qu'on dise, ne vise que les valeurs sans lesquelles aucun développement n'est possible. J'ai nommé la paix, l'unité, la concorde nationale qui sont chères aux plus hautes autorités du pays, en premier chef, au président de la République, Idriss Déby Itno. Il ne rate jamais cette occasion et d'ailleurs, sa constante concertation avec les leaders religieux témoigne de l'importance qu'il accorde aux hommes de Dieu et à la prière pour la nation tchadienne. De notre point de vue, cette journée unique qui rassemble les 3 confessions religieuses les plus importantes numériquement du pays est un événement important dont la pérennisation doit préoccuper tout Tchadien conscient du devenir de son pays. Elle doit être soutenue car elle s'inscrit dans les registres des grands événements visant à promouvoir et à consolider la paix dans le pays. Un Tchad dans lequel tous les habitants partagent les mêmes idéaux d'amour du prochain, de fraternité, de paix et regardent dans la même direction. C'est la vision que partagent les leaders de la plateforme interconfessionnelle. Une vision qui cadre parfaitement avec celle du président de la République, Idriss Déby Itno. L'action des hommes de Dieu, nous ne cesserons de le répéter, consolide chaque jour qui passe la paix chère au peuple tchadien. Si aujourd'hui le pays vit la stabilité et la tranquillité, nous pouvons affirmer avec ferme conviction que la contribution des leaders religieux y est. Détail. Cette bénédiction divine doit être jalousement entretenue, soutenue et préservée pour qu'elle soit transmise aux générations futures. Aujourd'hui, nul ne peut remettre en cause le patriotisme qui nous anime. Nous sommes tout simplement un peuple béni de Dieu. Que Dieu bénisse le Tchad. Il se trouvait hier à Kigali, au Rwanda, la 20e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA 2019, assise placée sous le thème Afrique sans sida, innovation, leadership communautaire et politique. 6 premières dames, dont celle du Tchad, Hinda Déby Itno, les présidents Paul Kagame et son homologue mozambicain Philippe Nyusi ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Nassou Nouditi. Plus de 7000 participants ont honoré de leur présence la cérémonie d'ouverture de la 20e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA 2019. Assise placée sous le thème « Afrique sans sida, innovation, leadership communautaire et politique ». Outre les 6 premières dames, dont celle du Tchad Hinda Déby Itno, la cérémonie a été rehaussée par la présence du président Paul Kagame et son homologue mozambicain Philippe Mwenzi. Scientifiques, chevronnés, décideurs politiques, acteurs de la société civile, personnes vivant avec le VIH-SIDA, partenaires techniques et financiers, explorent ensemble les voies et moyens d'unir leurs efforts pour porter l'estocade au SIDA en Afrique. Dans son liminaire, le président de l'ICASA 2019, professeur John Isoko, a précisé que l'objectif ultime de cette rencontre continentale est de promouvoir les innovations communautaires, scientifiques et technologiques pour mettre fin au sida. Il devait par la suite préciser que la lutte contre cette pandémie exige 2 postures, je cite, « être novateur et inclusif ». Fin de citation.
La ministre rwandaise de la Santé, Diane Gasumba, dira pour sa part que son pays est honoré d'accueillir cette rencontre qui est une opportunité pour l'Afrique de façonner une riposte collective contre le sida. Citant l'exemple de son pays, elle souligne que grâce au leadership de son président Paul Kagame, au Rwanda, 91% de la population a une assurance maladie, 99% des femmes enceintes sont dépistées, 85% des personnes vivant avec le VIH sont traitées, dont 80% sont sans charge virale. Un progrès remarquable accueilli par un applaudissement nourri. Au Mozambique, les chiffres sont alarmants. 1 330 000 personnes sont infectées par le VIH, dont 4% des décès par an, laisse entendre le chef de l'État, Philippe Mwenzi. Loin de baisser les bras, il soutient que l'expérience rwandaise le galvanise dans sa politique sanitaire. Le directeur général de l'OMS, Dr Theodoros Adhanom Ghebreyesus, soutient qu'une Afrique sans sida est possible avec un leadership politique avéré à l'image du président du Rwanda, Paul Kagame. Une bonne politique et une bonne gouvernance sont des atouts majeurs à une bonne santé de sa population, renchérit pour sa part le président rwandais. C'est par un spectacle riche en sons, lumière et couleurs, alliant sonorités traditionnelles et modernes, que la 20e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique est déclarée ouverte. Pour immortaliser l'événement, les 6 premières dames, dont celle du Tchad, le président rwandais et son homologue mozambicain, ainsi que les organisateurs de l'ICASAT 2019, ont fait face aux flashs des photographes et zoom des caméramen. Et puis hier, après l'ouverture officielle de cette 20e conférence sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, la première dame du Rwanda a conduit ses sœurs première dame au siège de sa fondation dénommée Imbuto. Marcel Auditi pour les détails. C'est en partageant et échangeant les expériences que les premières dames africaines pourront atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés au travers de leurs différentes fondations. S'inscrivant dans cette logique, juste après l'ouverture officielle de la rencontre de haut niveau placée sous le thème « Leadership des premières dames d'Afrique dans la lutte contre le VIH et le sida », la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame, a conduit ses sœurs, premières dames, au siège de sa fondation Imbuto, créée en 2001. Hindadebi Itno, présidente de la fondation Grand Cœur, Antoinette Sassou-Nguessou, présidente de la fondation Congo Assistance, Aïssata Mohamedou Youssoufou, présidente de la fondation Goury Vie Meilleure, Rebecca Akufo-Addo, présidente de la fondation Rebecca, et Neno Jeanne Massissi, présidente de la fondation Massissi, et leur hôte Jeannette Kagame, ont suivi une présentation succincte de la fondation Imbuto et ses multiples actions sociales. C'est après un échange riche et fructueux que la première dame du Tchad, Hindadebi Itno, a quitté les locaux de la fondation Imbuto de sa sœur, première dame du Rwanda, Jeannette Kagame. Restons à Kigali au Rwanda où la première dame du Tchad, Hindadebi Itno, a assisté ce matin à un panel axé sur la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le dit panel est organisé par United en collaboration avec la fondation Imbuto de la première dame du Rwanda. Nassoumou Diti une fois de plus. Engagée dans la lutte contre le cancer, la première dame du Tchad, Hindadebi Itno, a été de toutes les rencontres internationales consacré à la lutte contre le cancer en Afrique, notamment au 2018 à Ouagadougou, juillet 2019 à Niamey et ce 3 décembre à Kigali. Hindadebi Itno, qui a mis au centre de ses préoccupations la lutte contre le cancer à travers la fondation Grand Cœur qu'elle préside, entend s'inspirer de l'exemple du Rwanda, un pays très avancé dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus, d'où sa présence aux côtés de sa sœur Jeannette Kagame. La première dame du Niger,
Aïssata Mohamed Issoufou et celle de Botswana, Neo Jan Masisi, étaient également de la partie. Le panel est placé sous le thème « Partenariat efficace pour la prévention du cancer du col de l'utérus ». La présidente d'UNITAID, Mme Marisol Touraine, précise que chaque année, 1 million de femmes au monde sont affectées par le cancer du col de l'utérus, dont 300 000 meurent. En Afrique, le cancer est la deuxième cause de décès et pourtant, il est évitable, soutient-elle. Un dépistage précoce et la prise en charge d'un vaccin contre le virus du papillome humain permet de se prémunir contre le cancer. Chiffre à l'appui, la première dame du Rwanda précise que dans son pays, 70% des filles sont vaccinées contre le virus du papillome humain responsable du cancer. Mais devait-elle ajouter, la lutte sera de longue haleine. Nous devons aussi reconnaître que les cas de cancer qui sont détectés à un stade avancé résultent d'un manque d'informations suffisantes ou d'accès aux méthodes de prévention existantes ainsi qu'à des inégalités basées sur le genre des patientes qui en souffrent. Nous ne le répéterons jamais assez. L'élimination du cancer du col de l'utérus est possible. Le partenariat plus fort et au niveau mondial comme l'objet de cet événement le suggère. Je fais donc appel à vous, présents aujourd'hui, afin de continuer à mobiliser des ressources pour le développement du capital humain et la mise en place de systèmes infaillibles en vue d'atteindre et maintenir nos objectifs. La panéliste, Dr Hala Zaid, ministre de la Santé égyptienne, dira en revanche que dans son pays, la deuxième cause de mortalité est le cancer et l'hépatite C. Mais en 7 mois, l'Égypte a dépisté et mis sous traitement 60 millions d'Égyptiens souffrant de l'hépatite C. Son pays est en passe de vaincre cette maladie. L'espoir est permis, dira un panéliste. L'ADN de dépistage en 5 minutes est en expérimentation phase 3. Le cancer du col de l'utérus n'est pas une fatalité, mais il peut être vaincu, soutiennent les autres. La veille, la première dame du Tchad, Hinda Debi Itno, a assisté à un autre panel consacré cette fois-ci à l'accroissement des investissements nationaux dans le secteur de la santé en Afrique. Le président rwandais, mozambicain et les premières dames du Rwanda, du Niger, du Ghana et du Botswana ont suivi avec un grand intérêt les voies et moyens à explorer par chaque pays africain pour mobiliser ses ressources financières internes en faveur de son secteur de la santé. Les panélistes sont issus du monde des finances, du secteur de la santé, de la haute administration et de la recherche médicale. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Guilin, après avoir présidé 2 séances de rencontres sur la nouvelle réglementation d'échange, a affirmé qu'en 2020, le transfert de monnaie sera plus fluide. Cette nouvelle réglementation d'échange qui concerne la Banque centrale, les services des finances et les agents économiques a pour but d'améliorer les activités économiques au Tchad et dans la sous-région. Un extrait de ses propos. Nous avons depuis décembre 2018 une nouvelle réglementation d'échange dans une autre zone. La mise en application de cette réglementation d'échange nécessite une compréhension mutuelle et globale de tous les acteurs. C'est comme ça que nous avons convenu des mesures et des éléments d'appréciation et d'une meilleure application de cette réglementation qui s'impose à nous. Et qui nécessite qu'il y ait beaucoup de dialogue et beaucoup de concertation et aussi beaucoup de suivi de la part de chaque partie. Il y aura de manière périodique et toutes les 2 semaines pendant une période transitoire de 3 à 6 mois pour que nous voyons comment est-ce que les transferts sont devenus plus fluides, plus rapides, plus mieux documentés, mieux justifiés pour qu'il n'y ait pas de pénurie et pour qu'il n'y ait pas de blocage et que tout se passe de manière très rapide et et ensuite, nous avons eu aussi une rencontre, une réunion avec l'association des producteurs pétroliers du Tchad et la Banque centrale.
Cette réunion était pour annoncer aux associations de producteurs que la Banque centrale, à l'initiative un peu du comité ministériel de la sous-région, avait convenu de continuer d'accorder une période de grâce aux pétroliers qui va, au lieu de s'éteindre à la fin de l'année 2019, mais que cette période de grâce va continuer jusqu'à fin 2020. À partir de janvier, la Banque centrale organise dans toute la sous-région et ici même des réunions, des dialogues, des concertations pour que les deux parties ici qui sont les plus intéressées par cette réglementation, à savoir les pétroliers et la Banque centrale, puissent convenir, connaître les difficultés réciproques et quels sont les éléments d'appréciation et ou d'amélioration pour que la réglementation de change soit appliquée pour le bénéfice de nos pays, de nos économies, mais aussi des sociétés pétrolières. Et puis, l'Université Tchad a rendu ce matin un hommage au ministre président des points focaux du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en Afrique, Kayar Oumar Defala. C'est le ministre de l'enseignement supérieur, Dr David Oudenga, qui a présidé cette cérémonie. Représentant le chef de l'État, Idrissa Déby Itno, le ministre secrétaire général du gouvernement et plusieurs autres personnalités ont également pris part à cette cérémonie. Un reportage signé Ali Ibrahim Souleyman. Un homme qui sort de l'ordinaire, proviseur du lycée, réalisateur, écrivain, homme de lettres et ancien ministre de l'enseignement supérieur et celui de la culture, Kayar Oumar Defala, est l'initiateur de plusieurs activités culturelles et sportives. L'homme aux multiples facettes retrace ses expériences personnelles et sa vision de la vie. Ce qui m'a permis, en tant que Tchadien, d'exprimer un leadership technique et de capacité de compétence avec une équipe composée de Tchadiens techniquement outillés, la technologie est là. Pour cette circonstance exceptionnelle, est présent le professeur Eddy Maloka, directeur général du mécanisme africain d'évaluation par les pairs venu d'Afrique du Sud pour marquer d'une pierre blanche la cérémonie. Homme de lettres originaire de la province du Wadaï, Kayar Oumar Defala a commencé à servir le Tchad depuis 1966 à la première république du Tchad sous la présidence de François Tombalbaye. Guide incontestable, traînant une longue expérience de plus de 50 ans, ses fils de nomades continuent à servir le pays de Toumaï en tant que ministre, président des points focaux du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAIEP continental. Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Dr Oudenga David, représentant le chef de l'État Idriss Déby Itno, qualifie le récipiendaire d'homme des lettres et de la culture au service de la gouvernance tchadienne. Aujourd'hui, nous célébrons le dévouement d'un haut commis de l'État ayant consacré sa vie et son énergie à l'éducation des Tchadiens et qui est maintenant au service de la gouvernance en Afrique. J'ai nommé mon frère et ami Kayar Oumar Defala. Permettez-moi, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, que j'ai l'honneur de représenter et en mon nom personnel de vous féliciter pour le choix porté sur votre personne pour célébrer l'exemplarité par le dévouement. Inspiré du témoignage de Kayar Oumar Defala, chevalier des palmes de mérite français, les étudiants de l'université Hec Tchad retentissent l'hymne national tchadien à son honneur. À l'hémicycle, deux projets de loi ont été adoptés par les élus du peuple. L'un portant création d'un observatoire de la violence, de la prévention, de la criminalité et de la déontologie policière et l'autre portant sur la ratification de l'ordonnance portant création d'un office national de génie militaire et de la production. Compte rendu, Mahamat Souleyman. Pour renforcer davantage la sécurité et réaliser des infrastructures pour l'armée, le gouvernement entend mettre en place un dispositif technique et scientifique de prévention judiciaire et une structure productrice pour l'armée.
C'est dans cette optique que deux projets de loi relatifs au développement ont été présentés aux élus du peuple pour approbation. Il s'agit du projet de loi portant création d'un observatoire de la violence, de la prévention de la criminalité et de la déontologie policière et le projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création d'un office national des génies militaires et de la production. Concernant le projet de loi sur la sécurité, les députés se sont interrogés, entre autres, sur la manière de recrutement sélectif des éléments de la police nationale, la sécurité de la population et l'application de la loi de l'état d'urgence. Très réceptifs à leurs préoccupations, les ministres délégués à la présidence chargés de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et des victimes de guerre, Mohamed Abali Salah, répond en ces termes. C'est un projet qui est dans le cadre de sécurité intérieure, qui renforce nos dispositions existantes dans le cadre de sécurité intérieure et aussi il va contribuer à la déontologie de la police. La sécurité intérieure, c'est quelque chose qui est très important. Je pense qu'il a été apprécié par les députés. Donc c'est un de plus. Cette réforme entre dans le cadre aussi des forums inclusifs où toute la population tchadienne a émis des recommandations sur la gestion de sécurité intérieure. Nous avons le plan de sécurité intérieure. Aujourd'hui, nous avons adopté ce qu'on appelle l'observatoire. Selon le ministre, le projet de loi relatif à la création d'un office national des génies militaires et de la production permettra à l'armée de contribuer au développement socio-économique du pays. À travers cette structure, nous pouvons détoiler l'expérience. Nous avons des ingénieurs, nous avons des agronomes, nous avons dans l'armée toutes les différentes techniques. Nous pensons qu'à travers cette structure, l'armée peut se prendre en charge elle-même. Et pas seulement ça s'arrête sur l'armée, mais il peut aussi contribuer au développement socio-économique de notre pays. Après avoir longuement échangé sur ce sujet, les élus du peuple ont voté la loi sur la sécurité par 119 pour, 16 abstentions et 0 contre. Et la loi sur la création des génies militaires a été adoptée par 113 pour, 13 abstentions et 0 contre. Selon les rapports des projets de loi présentés aux députés, cet observatoire est un moyen efficace de prévention et de lutte contre toute forme de violence et la création d'un office national des génies militaires de la production contribue au développement socio-économique du pays. La Fédération des Émirats Arabes Unis a célébré ce mardi sa 48e fête nationale ici au Tchad. L'ambassadeur émirati et ses concitoyens ont convié leurs connaissances et amis pour partager le gâteau d'anniversaire. Le gouvernement du Tchad est représenté à cette cérémonie par la secrétaire d'État aux affaires étrangères Achta Saleh Daman. Kandouba Théophile. C'est une journée mémorable pour le peuple émirien. Ce lundi 2 décembre 2019 marque le 48e anniversaire qui commémore la création de la Fédération des Émirats Arabes Unis, en particulier l'Union des 7 Émirats qui constitue la Fédération. Pour se remémorer de cette journée du 2 décembre 1971, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, Mohamed Ali Al-Shamsi, et ses concitoyens résidant au pays de Toumaï se sont réunis autour de table avec les amis et connaissances, parmi lesquels les diplomates accrédités au Tchad, les membres du gouvernement, les représentants des grandes institutions de la République et autres personnalités. Pour l'ambassadeur émirien au Tchad, c'était l'occasion de renforcer les relations de coopération entre son pays et le Tchad, représenté par la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Achta Saleh Daman. Mohamed Ali Al-Shamsi a relaté le parcours ferme et confiant, aspirant progrès et prospérité afin de satisfaire les ambitions du peuple et permettre aux Émirats Arabes Unis de jouer un rôle de premier plan dans tous les domaines. Mohamed Ali Al-Shamsi de renchérir que les Émirats Arabes Unis visent à renforcer leur présence sur la scène internationale en 2021, année du jubilé d'or de l'Union. Pour parvenir à la réalisation de ses rêves, le renforcement des coopérations bilatérales avec le Tchad, dont les Émirats Arabes Unis partagent la même vision, est un passage obligé. Le gâteau partagé, Mohamed Ali Al-Shamsi invite ses hôtes à se servir du dîner de l'amitié tchado-émirienne.
Et puis la teneur de ce communiqué de presse dans le cadre du développement de l'employabilité des jeunes et de la relance du sport au Tchad. Monsieur Mahamat Nassour Abdoulaye, ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, a quitté N'Djamena cet après-midi pour se rendre au Sénégal afin de participer à la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie qui se tiendra du 4 au 6 décembre 2019 à Dakar. Ce communiqué signé du directeur de cabinet du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, Jean-Pierre Dimas Ngar. Et puis la Maison de la Femme a servi de cadre à la célébration de la 27e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée est placée sous le thème « Promouvoir la participation et le rôle des personnes handicapées, faire progresser le développement à l'horizon 2030 ». Les détails avec Amat Adoumoussa. Comme toutes les personnes handicapées du monde, ils célèbrent ce 3 décembre leur journée internationale. Celle-ci vise la protection des droits des personnes en situation de handicap et leur insertion sociale. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à la question du handicap et à l'autonomisation des personnes en situation de handicap. Pour la directrice pays humanité et inclusion, Marie-Cécile, l'insertion sociale des personnes handicapées passe par la réduction des barrières qui freinent leur épanouissement. Pour elle, l'engagement des autorités de la 4e République en faveur des personnes handicapées est salutaire, même si des défis restent à relever. Défendre les droits des personnes en situation de handicap est l'une des préoccupations du gouvernement tchadien. Le président de la République, son excellence Idriss Déby Itno, a mis au cœur de sa politique la question du handicap en accordant une place de choix dans la 4e République à l'éducation et à l'emploi des personnes handicapées. Mamadou Bamba, représentant des réfugiés handicapés au Tchad, met un accent particulier sur la situation des réfugiés au Tchad. Selon lui, la notion d'handicap n'a pas de frontières. Il demande au gouvernement de leur venir en aide. Les dispositions juridiques soulignent que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Alors c'est ensemble que nous pouvons bâtir le monde que nous voulons. La formation à l'intention des membres des organisations de la société civile sur la préservation de la paix s'est achevée au Musée national. C'est le président de l'Union des jeunes tchadiens, Ali Fadil, qui a clos les travaux. Abdelhadi Mamad Salih Babayaro. La formation organisée par l'Union générale des jeunes tchadiens avec l'appui de la Société nationale d'électricité SNE vient de s'achever. À cette session de formation placée sous le thème « Le rôle des associations de la société civile dans la préservation de la paix et de vivre ensemble ». Les participants ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement et ses partenaires. Nous participons à la session de formation en faveur de la société civile au Tchad. Recommandons ce qui suit. Au gouvernement, l'implication de la société civile dans le cadre de prévention et résolution de conflits. Adoption d'une stratégie et texte juridique pour gérer les conflits. Appui de la société civile pour cultiver la paix et l'unité nationale. Introduire dans le système éducatif du Tchad la notion de la cohabitation pacifique. Clôturant les travaux, le président de l'Union générale des jeunes tchadiens, Ali Fadil Guiderke, a salué la participation massive des responsables et les représentants de l'organisation de la société civile à cette session de formation. Il demande par ailleurs aux récipiendaires d'appliquer à la lettre ce qu'ils ont reçu lors des formations. Ouverture ce matin dans un hôtel de la place de l'atelier de relecture et de validation des projets de texte relatifs à l'amélioration de la régulation, de la législation, pardon, vétérinaire au Tchad, cérémonie présidée par le directeur général du ministère de l'élevage et des productions animales, Falambi Solgan. Appuyer les États africains en général et spécifiquement ceux de la communauté économique des États de l'Afrique centrale à disposer d'une législation vétérinaire est le but de cet atelier de relecture et de validation de projets de textes relatifs à l'amélioration de la législation vétérinaire au Tchad. Les problèmes qui ont été identifiés vont de la non-disponibilité de la législation vétérinaire dans certains pays jusqu'à sa non-conformité avec les normes de l'OIE dans d'autres. Pourtant, cet outil
est d'une importance capitale pour le secteur de l'élevage, afin que ce domaine d'activité contribue de manière efficace à l'exploitation du bétail et des produits de l'élevage pour satisfaire les besoins de subsistance des populations. Pour le directeur général du ministère de l'élevage et des productions animales, cette rencontre vient à point nommé. Le rapport d'analyse des écarts de performance des services vétérinaires du Tchad fait état d'une législation vétérinaire très ancienne et inadaptée à la situation de l'élevage dans le contexte actuel. C'est ainsi que la Direction générale des services vétérinaires a sollicité il y a quelques années l'appui de l'UIE pour la réactualisation de la législation vétérinaire tchadienne. Dr Maligatolum Fidel Molele exhorte par ailleurs les participants à examiner minutieusement le plan technique ainsi que les deux projets des documents. Une conférence débat initiée par le projet d'appui au renforcement des capacités des acteurs judiciaires au Tchad a eu lieu ce matin. Conférence qui s'articule autour du thème « Le rôle des médias dans la gouvernance judiciaire ». Deux panélistes ont animé cette conférence. Le point de Damgué Lidné Joël. La problématique du rôle des médias dans la gouvernance judiciaire est au cœur de cette conférence débat initiée par le projet d'appui au renforcement des capacités des acteurs judiciaires au Tchad, Prakajust. Des échanges qui visent à mettre en exergue l'importance des acteurs des médias dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Pour le panéliste Adekeizou Simon, directeur général adjoint de l'École nationale des formations judiciaires, l'action des médias dans la gouvernance judiciaire trouve son fondement dans le texte des procédures garantissant la publicité des audiences. Les médias jouent, selon lui, le rôle des miroirs de l'action judiciaire dans ce sens où ils informent fidèlement des événements judiciaires, les encadrent, font des investigations et dénoncent des erreurs de justice. Selon le second panéliste, Maître Noubarangar Kladoumbé, avocat au barreau du Tchad, pour que les médias jouent le rôle qui leur est dévolu, il faudra renforcer les capacités des professionnels, car pour mieux informer la population, la connaissance des règles juridiques et judiciaires est primordiale. Des différentes interventions et préoccupations de l'assistance, il ressort la nécessité de spécialiser les journalistes chroniqueurs de justice. Parlons à présent de la 29e journée de la liberté et de la démocratie qui a également été célébrée à Benoît dans la province du Logon occidental. Célébration qui a vu la présence de plusieurs personnalités de la localité. Réoutar Anissé. Les différentes couches socio-professionnelles ainsi que la population du département de Ngourkoso se sont fortement mobilisées à la place publique de Benoît pour commémorer le 1er décembre, journée de la liberté et de la démocratie. C'est le préfet du département de Ngourkoso, Béchir Tahir Mahamat, qui a présidé la cérémonie en présence des autorités à divers niveaux de services déconcentrés de l'État. La particularité et la mobilisation exceptionnelle de la population du département en cette journée a été relevée par Singambay Etienne, secrétaire général de la commune de Benoît. Le préfet du département de Ngourkoso, Béchir Tahir Mahamat, a rappelé au cours de cette cérémonie les réalisations du président de la République, Idriss Déby Itno, pendant 29 ans de règne, avant d'insister sur la cohabitation pacifique. Un gigantesque défilé des détachements des forces de sécurité et les organisations de la société civile ont agrémenté la journée de la liberté et de la démocratie à Benoît. Dans la commune de Ba, les cadres militants du MPS du département de Lakoué-Ouest ont fêté également le 29e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie. À cette occasion, le sous-préfet de Ba, Ousmane Kalibou Moussaba, a souligné que l'initiative des cadres du MPS du département de Lakoué Ouest est à encourager. La journée de la liberté et de la démocratie a également été célébrée dans la province du Tibesti en présence du gouverneur Didi Abré. Kale Gavoutna. Les 29 ans de la démocratie et des libertés sont également célébrés en grande pompe dans la province du Tibesti. Pour la célébration de cette 29e édition de cette journée historique qui a permis aux Tchadiens de vivre l'ère démocratique, c'est la ville des Zouars qui est choisie pour abriter la cérémonie des prises d'armes. Le gouverneur de la province du Tibesti, Didi Habré, les responsables civils et militaires de toute la province du Tibesti ont fait le déplacement des Zouars à cette occasion. La population n'est pas aussi en reste. Après les
l'exécution de l'hymne national et le dépôt de gerbes des fleurs au monument aux morts, le secrétaire général provincial du MPS du Tibesti a pris la parole pour vanter le mérite des vaillants hommes à leur tête, le président de la République Idriss Déby Itno, qui se sont sacrifiés pour que le vent de la démocratie souffle au Tchad. Le gouverneur de la province du Tibesti, Guidi Habré, a quant à lui rappelé à l'assistance le sens de la journée du 1er décembre pour le peuple tchadien. Le 21e anniversaire de la liberté et de la démocratie est une journée historique pour tous les Tchadiens. Beaucoup de gens sont en train de festoyer sur l'ensemble du territoire. Notre camarade, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, avec quelques poignées d'hommes, ont libéré la nation italienne d'une dictature sanguinaire sans merci. À face des discours terminés, place au traditionnel défilé militaire. Les différents détachements des forces de défense et de sécurité ont comme des traditions émerveillé le public et les officiels durant leur passage. Okay. L'Association culturelle pour la revalorisation de l'amitié, ASCRA, appuie la politique du gouvernement en matière d'éducation. Cette association vient de construire un bâtiment de 3 salles de classe au profit des enfants du village de N'Djamena Guidi dans la commune de Linia. Kalega Woutna. Sourire aux lèvres, les enfants du village N'Djamena Guidi, situé dans la commune des Lignans, voient leur rêve d'aller à l'école se concrétiser. Un bâtiment de 3 salles de classe leur est construit par l'Association culturelle pour la revalorisation de l'amitié, ce qui permettra aux enfants de ce village et ceux des villages environnants d'avoir accès à une éducation de qualité au même titre que les autres enfants. La création de cette école communautaire revêt un caractère très important, tant pour la population locale, pour notre pays, le Tchad. Car vous vous souvenez du discours de Son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, chef de l'État, qui déclare, dont je cite, « Je rêve d'une jeunesse qui ose et qui a l'audace ». Fin de citation. L'autorité éducative salue ces gestes des filles et fils du village N'Djamena Guidi et promet de prendre les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de cette école. Ils ont donné des pompes à motricité humaine à l'école ici, plus la construction, et ils sont là, c'est pour aider le gouvernement d'assumer sa mission régalienne qui est le bien-être de la population. Le chef du village de N'Djamena Guidi, Omar Mahamat Mahamat, et quelques personnes ressources du village ont également loué cette action et ont profité de l'occasion pour inviter les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Rendons-nous à présent dans la province de Adjalamis, plus précisément dans le département d'Arazalbiar, où le représentant du chef de canton de Boutelfil est installé. Moussa Abdelaziz Mahamat Daman aura à gérer les affaires coutumières du dit canton. Il remplace son feu père, Abdoul Kioul. Canton Boutelfil arabe, le décor annonce un événement grandiose. Un événement qui sera sans nul doute inscrit en lettres d'or dans les annales de la communauté. Après un large consensus, Moussa Abdelaziz Mahamat Daman, un quadragénaire, est fait office du chef de canton de la communauté Boutelfil arabe, appelé littéralement en arabe Wakil. L'homme est appelé à gérer les affaires courantes de la chefferie avec Ahmad Abdelhadi Daman, chef de canton de la dite communauté. Ces mots de circonstance sonnent comme un engagement. Moussa Abdelaziz Mahamat Daman promet être le garant des us et coutumes de sa communauté et aussi œuvrer pour la cohésion sociale. Les ressortissants du canton Boutelfil arabe, témoins oculaires de cet événement, sont dans l'esprit général. Nous heureux d'avoir notre frère Moussa Abdelaziz qui est maintenant sur la place de notre papa. Gérer les hommes, c'est pas facile. Donc il faut qu'il tienne ça à deux mains et qu'il doit être le responsable à la hauteur de cette mission. Créé dans les années 1946, le canton Boutelfil arabe compte plus de 200 000 âmes. Il est composé de 115 villages où cohabitent 8 tribus. L'agriculture, l'élevage, la pêche et le commerce restent les principales activités de la population.
L'AN Sequest Tchad organise depuis hier matin à la Maison de la Femme une formation à l'intention des enseignants. Le module porte sur le programme Quest qui vise à donner aux élèves une éducation liée à la citoyenneté responsable. Adef Amat Benrama. Renforcer les capacités des enseignants afin qu'ils inculquent aux jeunes les notions de citoyenneté responsable, c'est l'objectif recherché par l'Ins Club International à travers cette formation. De manière spécifique, il s'agit de prévenir le jeune contre la consommation de la drogue. L'idée de ce programme, c'est que, au lieu de se mettre à parler des drogues, on va apporter aux jeunes les compétences dont ils ont besoin pour savoir vivre autrement. Parce que finalement, l'idée, ce n'est pas de prendre ou pas de la drogue, c'est comment on peut vivre mieux et comment apprendre à vivre. Pour le gouverneur de district de Lions Club, il est important d'écarter la jeunesse de toute déviance sociale. L'association internationale a mis en place un programme appelé Lion Quest qui est censé former les jeunes, les préparer à la vie pour les éviter la délinquance et un certain nombre de choses. Dans ce programme Quest, déjà 550 000 éducateurs ont été formés à travers la planète par l'Ins Club International. Deux présumés malfrats opérant dans la province du Mayo-Kébi Ouest ont été appréhendés et présentés à la presse locale. Le point avec Melvin Estor. Tous deux de nationalité camerounaise, ces présumés malfrats opèrent à la frontière Tchad-Cameroun. Selon les sources sécuritaires, ils détiennent sur eux deux cartes d'identité camerounaise et tchadienne avec différents noms. Ils ont leur famille et leur bétail au Cameroun. Il ferait partie d'une bande de bandits qui opèrent aux confins du Tchad et du Cameroun. Considérés comme récidivistes, ils ont commis des crimes au Cameroun. L'un de leurs a été arrêté et les deux autres ont échappé pour se réfugier au Mayo-Kébi Ouest où ils continuent leurs actes criminels. Bien renseignés, les forces de défense et de sécurité de la province ont réussi à mettre la main sur eux. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest, Atum Forte Amadou, a félicité les forces de l'ordre pour leur prouesse et bravoure à faire régner la paix et la sécurité et invite la population à la vigilance. Nous demandons à la population de la province du Mayo-Kébi Ouest vraiment de collaborer avec les forces de défense et de sécurité et d'informer si jamais ce genre de personnes se trouvent sur notre territoire ou bien à la frontière pour que les forces de défense et de sécurité puissent faire leur travail. Nous félicitons la Légion de la Gendarmerie avec tous les éléments qui ont fait les efforts nécessaires pour mettre la main sur ces délinquants. On va mettre à disposition des juridictions de notre pays pour que ces délinquants puissent répondre de leurs actes par rapport aux crimes qu'ils ont commis. Après la présentation au public, ces présumés malfrats ont été remis à la justice où ils méditent sur leur sort. Volley sport à présent, la cérémonie des récompenses des joueurs de football de la planète, appelée communément Ballon d'Or, a eu lieu hier soir au théâtre du Châtelet à Paris en France. Cérémonie marquée par le sixième triomphe de l'Argentin Lionel Messi. Kandouba Théophile nous en parle. C'est un nouveau record dans l'histoire du football que vient de réaliser le prodige argentin du football club de Barcelone, Lionel Andreas Messi, qui a inscrit l'année dernière 51 buts et délivré 22 passes décisives en 50 rencontres avec son club. Le suspense pour ce sixième ballon d'or de Lionel Messi en 10 ans s'était quelque peu envolé avec le titre de meilleur joueur lors des trophées FIFA The Best en fin septembre dernier. Avec ses performances individuelles, le footballeur argentin, qui ne compte que 32 ans, a encore suffisamment ébloui la planète football pour se voir honoré une fois de plus que son rival Cristiano Ronaldo, arrivé en troisième position après le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, classé deuxième, et ses coéquipiers, le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah, respectivement quatrième et cinquième. Avec la cérémonie du théâtre du Châtelet de Paris hier, Lionel Messi
passe devant Cristiano Ronaldo, avec qui ils étaient à coude à coude il y a 24 heures. Cristiano Ronaldo est suivi du Hollandais Johan Cruyff, qui en compte 4, devant le Français Michel Platini et son compatriote Van Nistelrooy, qui en compte 3 ballons d'or. Sur ce, se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.